La société, la police, l'armée d'Haïti, officier kenyan yo, pas campé dans quatre opérations que y a mené depuis plusieurs jours dans niveau Badelma. Gen plusieurs vidéos qui viral sur réseau. Dans journée qui était exactement mercredi 4 septembre, non, la police refrappé encore pire dans Badelma. Gen plusieurs présumés bandits tombés et gen un fusil M4 que la police rivé saisi. En grand bien pour nous. Dans la journée de mercredi 4 septembre 2024, là, différentes unités spécialisées dans la police qui sont en opération, l'armée d'Haïti, officier kenyan, monsieur Rive pose, alors Rive dans Poukate Koutsam avec un petit vest menti, dans le niveau Badelma, pour piti, dans la vidéo que moué, il y a pas 3 bandits dans l'image que moué, qui tombe. Ça tombe avec valise sous dos, avec valise qui met plein balle là-dedans, mais la police rive saisi un fusil M4 dans menèg yo. Ça veut dire que l'opération qui a mené dans le niveau Badelma dans le moment, dans Bel Air Solino, semble se couper souffle lié. L'homme dit couper souffle, ça veut dire c'est couper souffle barbecue, c'est couper souffle Kempes et permettre que yo libéré, yo pacifié dans le niveau Badelma. Zami internautes nous yo. Jean qui a plus monde capable à regarder à attendre selon journal Miami Herald, selon ça apprend que États-Unis envisagé pour capable transformer mission multinationale soutien sécurité à Haïtien en une mission Nations Unies, ça veut dire en une mission onusienne pour permettre que yo capable plus moyen plus matériel avec mission qui pour permettre que yo capable remplir avec mission comme ça droit. Ça veut dire, question qui te dit, mon côté officier kenyan, qui te dit que, nan jou pas venir par opération en l'air, opération sous la mer, opération à terre contre bandio, ça pral commencer à travers, ça pral dit que, une fois que vous transformez mission ça, en une mission Nations Unies. Je dis, peuple haïtien dit le bouquet, je dis, peuple haïtien dit li à bout de sa mère internaute nous yo. C'est vrai que des monde qui nous a dit que, opération pas seulement mené dans le niveau Badelma. Opération pas seulement c'est barbecue, certes. Mais je dis, l'État, à travers porte-parole, a clairement dit que, yo pas assez moyen pour ta permettre que yo mené opération sur divers espaces en même temps. Comment ça veut dire? Ça veut dire, il a essayé de garder au fur et à mesure comment capable gérer une situation, un espace, et après ça, pour avancer l'autre côté encore, zami internautes, nous yo. Bye bye, avec vidéo, non? Désir, bah ouais, vidéo barbecue jeudi. Non, bah, on est si monsieur, ça passe, non, barbecue jeudi à Désir. Barbecue semblait en congé, Blaise Peterson, parce que force de l'audio a avancé avec force, il a pesé sous accélérateur, lui permettre que barbecue dans go qu'est cassé. Et Blaise Peterson, CSPN, à gros commandement, force multinationale là, il a pas assistant Chita pour discuter sous meilleurs moyens pour opération qui a mené dans le quartier Bel Air, Solino, Fonds National, Badelma. Et Blaise Peterson, tant qu'on s'y allait, divers bandits valaient à des naissances. Gen yo pren ak tout zam nan men. Gen yo pren se second qui avec valise chargé cartouche nan do yo. Et la police qui décide, qui te optimise l'ordre, qui te baye l'ordre avec monsieur yo, pour yo te camper, pour yo te déposer zam, leve men en l'air, yo pa avle tende, c'est dans échange que yo y avec la police. Et bien la police, selon information yo, et en légitime défense, la police mettait à cassant, non, et mettait 6 sur à cassant, nègre. Mettait 6 sur mon nègre. Jusqu'à présent, opération a avancé, les personnes. Département d'État américain montre que yo dans une situation très difficile. Dans la question financement, mission kenyan en dedans pays d'Haïti. Parce que ensemble, pays, sans doute qui te fait promesse, les personnes n'ont pas répondu. Et bien, ça permet. Tant que ce dit là, il y a réfléchir qui j'en yon kab transformer mission ça en yon mission onisienne qui kab permettre qui rejoigne puis bon qui choye. Blaise Peterson, nan conseil gouvernement, premier ministre, Dr. Gary Kony, te réalisé nan date 3 septembre 2024 là, eh bien, yon décidé et importance que yon gagne, yon mette, Blaise Peterson. C'est dans ça qui vient pour avec bataille, combat contre insécurité. Son premier ministre te dit, nous piperons. Au lieu de plus loin, malgré le qu'on est pour résoudre le problème de sécurité à la prend temps. Il y a un combat qui l'ensemble dans le pays a contre corruption, contre grand banditisme, et bien ILCC continue à troubler sommeil, nek ak femme,
Rodinité, qui te fait partie de l'administration publique, qui te détourné en pile l'argent de Blaise Peterson. Nous pas complices. Écrit et situation qui a passé là. Li décrit comme un bon pas, surtout dans la décision, ILCC prend pour traquer, pour voir devant la justice. Yon ensemble personnalité qui était dans l'État, qui blanchit un paquet l'argent, nous pas complices. Bat bravo pour ça. Nous pas questionner qui Jean, yon bat bravo et pour qui ça, yon bat bravo et à partir de qui ça, yon bat bravo. Pour efficacité, bataille contre corruption dans le pays d'Haïti. Il dépend des révisions, décret 8 septembre 2024 qui a créé ILCCA. C'est peut-être ça. L'important pour nommer un monde compétent, sans parti pris, honnête, comme chef institution si là, avec un mandat pour au moins 10 l'année. Li nécessaire tout pour garantir l'indépendance de la justice dans le commissaire gouvernement. Yon mandat 10 ans tout yon capable continuer faire travail yo les personnes. Modèle situation qui gagne en dedans le pays a li paraît très difficile, li inquiétant. Blaise Peterson, les États-Unis prend très au sérieux. Trois gros taureaux qui dans conseil présidentiel transition dans dossier scandale corruption BNC. Quelques temps avant visite Anthony Blinken dans pays d'Haïti, eh bien, chef diplomatie américain, assistant secrétaire d'État américain pour émissaire l'Ouest dans États-Unis, et Brian Cold, li pratiquement Blaise Peterson encourager autorité haïtienne immédiatement yon enquête pour établir responsabilité conseiller présidentiel dans un scandale corruption si là. La vie la papiti. Ba la pon l'autre dimension, Blaise Peterson. Songe, Anthony Blinken a rentré pendant journée dans le pays d'Haïti. Li pratiquement a bien pour le rencontrer avec Premier ministre Dr. Gary Conille. L'a bien pour le rencontrer avec actuel coordonnateur président Conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils. Ce qui ça va discuter, semble que c'est sous question scandale corruption, sous question sécurité, insécurité qui gagne dans le pays et exigence pour élection organisée Blaise Peterson. Et songez, Anthony Blinken pas prêté dormir en Haïti. L'a bien pour le fond coup de tête en République Dominicaine, tout selon information qu'il Jwenn Blaise Peterson, bon côté, ensemble confrère à conseil nous, cap fouye zo, nan kalalo. Blaise Peterson, SNGRS, SMGRS, c'est yon nan institution qui implique dans cas scandale, EDH, implique dans cas scandale, PNCS, implique dans cas scandale, ONA, implique dans cas scandale, même Jean, diplomatie haïtien, qui chargé, corrompu, qui la donne, nan bote l'argent, tout partout, pour arranger les affaires pa yo. Même déclaration, et patrimoine que moun sa bay c'est faux déclaration patrimoine dans opération que la police a mené au Blaise Peterson yo pas seulement vide bandi à terre mais opération permet que yo maré des nèg qui pratiquement entré dans trafic drogue pour vendre avec bandi yo. La police arrêté Ronald Toll pour trafic drogue 3 septembre passé a force l'audio et mettait la patte sous toroa dans Ricapoa, dans Port-au-Prince, agent BLTS joignent une quantité importante marijuana dans possession qui estime à 32,5 kg marijuana. Qui côté de la velle, pour qui est-ce que vous avez qui est-ce que vous avez et dans le moment, en plus le monde qualifié comme moment et fragile, c'est là, pour qui ça c'est dans le moment où c'est gagné marijuana dans le et pour le traverser avec les situations. Jusqu'à présent, la police a frappé, non, non, pas yo, depuis yo, et kembe bandi, yo kembe nek kap travail pour gang, et puis yo bagne l'autre bagay qui yo fait, et n'a rappelé, gen plusieurs policiers pendant semaine qui sont écoulés, qui pratiquement arrêté et qui t'a fait partie des groupes gang, les personnes pour barrer les sons, pour dire tout l'autre policier, pour pas rentrer dans la gang. Si vous rentrez dans la gang, c'est un mauvais chemin que vous faites, les personnes, avec amis internautes qui branchent tout pas. Commissaire, gouvernement, juridiction, c'est Macla. Maître Vincent François, qui réagit sur un rapport que Fondation J'éclairé, FJKL, mettait dehors, qui responsabilisait commissaire gouvernement dans le cadre et évasion qui t'a fait dans la prison civile et Saint-Maclan, 16 d'août passé à côté, t'a gagné au moins 14 prisonniers qui t'ont mouru. C'est information autorité officielle dans la ville de Saint-Maclan. Et bien, RJKL vient avec un chiffre 19. Selon le commissaire gouvernement, il fait quoi? Vous voulez parler de maître Vincent François, il déclare Blaise Peterson. C'est un rapport qui monitoring par voler tête, par politicien corrompu qui ont la loi dans la juridiction parce qu'il y a 10 ans depuis la servi. Mounio, dans la juridiction, il était substitut, il a 21 mois depuis le commissaire principal. Et bien, c'est ça qui, à la hauteur, qui permet qu'il y ait servi avec question invasion pendant lui-même, il n'est pas même là.
et vous voulez accuser la question ça Blaise Peterson. Nous allons l'analyser, nous allons questionner, nous allons regarder l'opération qui a mené pratiquement dans Port-au-Prince et l'autre zone. Pas oublier que Gandos l'a frappé tout. Toute zone qui a une opération qui a frappé yo, dans le département nord, dans le nord-ouest, dans le nord-est, la police a frappé, la police motivée on ne peut plus, surtout avec Vini, Blaise Peterson et Nomi Rameau comme directeur police nationale d'Haïti ou Takadi. Que policiers ont senti dans bien, policiers ont senti dans poids, policiers ont senti confortable pour faire job la blessure personne. L'autre ça qu'elle a ajouté des Yvonnes que bon côté Pam, c'est que notre journée qui était mercredi 4 septembre 2024 là, n'a dit que des Yvonnes que eh bien dans zone oui elle alerte, zone Bossamba Arena, dans zone ça qui pas trop loin village de Dieu, qui pas trop loin zone 1er, 2e, 3e, 4e, 5e avenue Bolos, ben moun t'es capable tendre en pile coup de balle qui t'a chanté dans zone ça des Yvonnes. Et en plus, on était capable de remarquer tout, c'était plusieurs machines blindées, mais qui était en présence, on dit que, et de policiers, de soldats, et des officiers kenyans qui étaient dans le bloc là, qui eux-mêmes ont mené des opérations, et mal des opérations, parce que pourquoi vraiment des opérations dans le niveau et zone bisatonnière. Mais en attendant que la police, l'armée d'Haïti, officiers kenyans fait entrer sortie par rapport avec, et ça qui a gagné là, et ça qui a passé en bas. Et on a rappelé des Yvonnes, nous songeons. Nan journée qui était mardi et 3 septembre non nan riel roi bas peu de choses gen plusieurs présumé bandi qui joine on dit qui va la gen essentio nan quatre interventions que la police a fait nan bloc ça et monsieur Yorivé est tombé. Et n'a dit désir selon ministre des affaires étrangères haïtien madame Dominique Dupuy, après que le TSO fait une visite et bon, se participer dans des activités dans le pays Brésil, il rencontrait autorité dans le pays brésilien et puis l'autre pays encore, il a discuté sur la situation haïtienne. Et dans la discussion qu'il a fait sur la situation haïtienne, et même pays étranger, ou bien qu'il y ait un pile n'est capable de tremper dans la situation haïtienne tout, mais il dit au bouquet, finalement, il faut qu'il y ait une solution qui joigne avec la situation que Haïti a connue là. Pour qu'il y ait une solution qui joigne définitivement avec la situation que Haïti a connue là, selon ça, il fait qu'on est. Et qui donc, les que y a gardé sa capacité en Haïti là, y a quoi que truc qui est volonté pour aider Haïti résoudre le problème que la prenait là, aider des problèmes pour résoudre définitivement, pour éradiquer problème qui est là, et ça existe là comme situation, amis internautes nous. Et n'a dit clairement désir venesse. Et amis qui a gardé captant de la yo. Que, selon le ministre des Affaires étrangères Dominique Dupuy, il fait qu'on est que pays Brésil dit li prêt pour aider l'État haïtien, surtout, dans contrôler les frontières nous yo. Dans balbourat, dans question droit nous yo. Dans aéroport nous yo. Parce que Brésil, li son pays qui vraiment a une spécialité dans question et frontières. Parce que pas oublier, selon ça, ministre Dominique Dupuy dit, en pile dans les âmes qui entrent en Haïti, ils ont transité, passé par frontière. Ils ont aidé Haïti, ils ont aidé contrôler les questions. Zama 4 jusqu'à 4 dans le pays, li vraiment important selon ça qui dit bon côté autorité yo, et selon ça qui dit bon autorité pays Brésil yo, et qui dit au prêt, qui dit au paré, pour aider Haïti, nan permettre que yo gérer situation ça. Parce que, je le dis, et pas seulement à mener bataille contre que soit gang opération dans gang dans base gang yo, mais tout faut que de dispositions qui prend pour contrôler, pour empêcher 24 potes à cartouche pour pas rentrer en dedans ghetto yo, en dedans quartier populaire, parce que sinon c'est laver mais essuyer à terre désir Venesse. Ça c'est une gros aide Blaise Peterson. Aider civils frontières pour zam pas rentrer, pour cartouche pas rentrer. Ou qu'on qui plus gros avantage que ça a gagné Blaise Peterson. Nèg yo gen zam yo nan men ou, déjà. Haïti pa fè katouche. Si yo pa jwenn katouche, zam yo pa même gen valè on roche. Ça veut dire un pays qui décide aider, qui décide bay support, nan ve frontière yo, nan ve espace côté zam a traverser pour entrer dans pays a, c'est une aide, c'est une support, nous devons considérer comme gros aide qui a bay nan ka pour capable résoudre problème sécurité qui gen la belle situation. Désir mon quoi est certain que Zami kap gade émission ça dans moment qu'elle faut vérité. Yo kap gade sur écran, en bas écran, côté que kon vidéo qui viral sous lui. Son vidéo la police qui en dit répond en kap mené opération capable policier kap déployé et policier soit UTAC et BRI kap déployé dans plusieurs côtés. OK? Udmotou boy tout bagay sa.
Et ou après dans même vidéo ça, bon côté que qui écrit qui dit que la police non, li pa la pagé pour exposer cadavre. La police non, pagé pour exposer cadavre. Et c'est on met ça au même d'oublier désir. N'apprendre que selon ça que n'apprendre de soucis, gagne une décision que semblait CSPN n'en prend empêcher que son drone rentre en Haïti. Même dit drone, ça veut dire que un individu ou dit mais est-ce que un particulier acheter drone voyé en Haïti. Ça c'est une décision qui appelle l'union nous de sous ce que nous faire confiance autorité dans l'état à travers CSPN non, il a prendre il a peine prendre ici ça. Cette histoire comme si on est arrêté là voyé un drone comme si on achetait un drone sophistiqué là voyé avant haïtien là parce que en pile restriction sur ça parce que il estime que question drone ISO il vraiment pas être déranger la police non et il a prendre des dispositions tout pour yo et qui contrôle question drone ISO en pile froid mettez en les têtes force de l'audio. Bon ça c'est des détails. On croit que et t'es gagné ensemble policier, t'es gagné ensemble militaire dans l'armée d'Haïti qui t'a grand formation soit Mexique sous question ça. Y a des moyens pour faire descendre drone ISO à utiliser. Y a des possibilités pour faire ça. OK? Parce que c'est ça que fait Kenzi dans section communication la police là, il besoin garder section communication en technologie qui va permettre que travail plus efficace et bail plus bon résultat. OK? Pour moi même parce que c'est une bonne décision si gen drone sophistiqué qui peut rentrer en dedans pays surtout dans moment crise, li ta dwe c'est la police qui commande ou bien l'armée ou bien l'état qui commande n'importe citoyen pas qu'à m'écrété pour faire commande des drones sophistiqués de long portée et ça ou pas connait qui ça que on va faire avec. Et surtout nèg qui dans secteur privé des affaires qui arrange yo qui gen contrôle insécurité a nèg qui dans politique yo dans politique traditionnelle yo gen contrôle insécurité a et c'est même yo même qui arrange yo surtout dans volonté que la police gen là pour utiliser des moyens aériens pour capable permettre que la police et soit victime dans cette opération qui a mené yo pour capable démotiver policier yo parce que CSPN ça qui organise a li correct et surtout sur point ça des situations. Exactement. Et moi, ça m'a dit à des siens, puis mon cap gade m'la cap vive États-Unis, cap vive Canada, cap vive la France, dans de l'autre grand pays toujours. Gede espace qui gagne, ça ne relè, l'État contrôlé, téléphone, drone baka volé. Gede espace. M'a parlé, m'a pris exemple États-Unis. C'est comme États-Unis, vraiment voulait impliquer dans question insécurité en Haïti, hein. Yo ke de appareil, si yo permet avec force de l'audio, pour yo utiliser là, quel que soit drone qui a gagné, il n'y a pas qu'à voler. Par exemple, imaginez la bo parler national, drone ISO en les têtes, à contrôler comment USGPN a déployé. Non, mon cher, ben, comme ça, mon cher. Les zones bo parler national, zone bo côté bois, l'État, ça en bas, c'est deux zones, l'État, ça veut dire, il y a mette restriction pour que rien n'y pas qu'à voler drone. Et s'il le faut, même téléphone, il n'y a pas qu'à utiliser. Et qui a pas pour ça? Et ben, c'est ça. Cap essayer prendre comme des dispositions pour permettre que service communication je te dis de policiers et de militaires qui t'a pris information dans pays Mexique sous question ça les que retourner et game quoi qui est retourné pour que yo capable gérer situation ça les que encore vraiment regarder des opérations musclées qui pourra possible mener en bas. Désir et moi j'avais avec plusieurs réactions et surtout avec question rentrer Anthony Blinken en Haïti hein. C'est que concerne nous Sandra Lemaire qui fait un reportage sur ça. Bah ça va que casser Blaise. Non, m'a vinn avec. M'a fait mon attendre, c'est prouver c'est mon attendre que c'est moi qui vinn faire débat sur lui. M'a vinn avec. Ce que Anthony Blinken a parlé des questions et toi nèg qui dans question conseil qui impliqué dans bagaille. Ça m'a fait comme débat là et comme approche que m'a c'est plein monde qui d'accord avec moi ou pas d'accord avec. Pas oublier, moi, avec des Ivanes, toujours dit que la police pas une mission tout yé. La police gen mission protéger avec ses vies. Mais, nan cas que un individu décide pour pas
Koubel en bas l'ode force de l'audio, li décide rentrer nan tak au tak avec la police force de l'audio, laisse ça policier ou bien force de l'ode lan, li pa gen le choix que réagit lui-même. M'le moun comprenne ça très bien. Parce que notre création fondement la police nan, mission c'est protéger ak sevi. La vie moun ak bien moun. Elle dit la police la poule touyer par la poule et comme si détruit. Et ça fait après les la police souvent parler, les quelques jeunes garçons quelques présumés bandits qui tombaient. Yo parler au dou et malheureusement c'est des monde jeunes garçons qui mortellement blessés. Elle dit c'est des bagages que la police les même tout en soi, les regrette ça arrivé hein. Parce que dans mission c'est pas pour touyer. Moi commence avec ça parce que moi connais gien plein monde qui a fait débat sur vidéo ça que moi désir venais que ne pas faire dire ne pas venir avec vidéo parce que pour des raisons restrictions sur et que YouTube a bail même qu'a fait débat sur parce qu'il y a plein dans nous. OK, et nous qu'a remarqué plusieurs quoi jeunes garçons sans vie en dedans de Chablendi. Et jeune garçon qu'on s'en vit ça yo. Mais ça est français, mais qui mouri. Et j'aime te dire tout à l'heure, ces jeunes garçons qui tombaient n'ont pas quanté coup d'âme avec force de l'audio. Il dit nego t'a tiré avec la police dans zone Badelma, nego pas décidé de tempérer et bien force de l'audio on dit la police, l'armée et puis et officier kenyan yo nèg yo réagi. Ça veut dire parce que l'audio réagit et jeune garçon ça yo même yo rivé et mortellement blessé pour me répéter parole la police policier yo. Et qui ça vous fait à côté de jeune garçon ça yo ou après la police gédé texte cap dit que on dit équipe jeune garçon ça qui n'a gardé qui mortellement blessé yo nèg yo t'a semblé qu'il y a un fusil M4 qui était dans mes yo. Et nèg yo t'a semblé qu'il y a un fusil M4 qui était dans mes yo. Et nous capables à travers ces vidéos ça yo gagner qui yo même avec valise sous dos yo. C'est ça pour nous comprendre. Non, association, en équipe là. C'est pas tout qui des âmes, c'est chaque bon mission au fait. Chaque bon rôle qui au jouer. Et chaque tout capable on calibre zam qu'elle poté. N'est qui plus solide là? N'est qui plus violent? Li ka gen pi gwo zam nan nan men parce que li ka matrel gen nèg tou ki nan ekip lan li la pou pote chaje ki ple la dan lè ke chaje nèg tap tire yan bal li fini chaje bal li fini rapidement li bal li kouri ral on chaje nan valizi li balil pou li kapab remetel pou le goumen. Ça dit nèg sa li pa gen mission pote zam et mission nèg sa au second bless. Bon, ma konne yo, ma konne jagon yo. Non, moi c'est comme ça m'entendre nèg yo relé yo parce que konne département la Tibonite chargé gang là dedans. Konne et comme ça m'entendre yo relé yo. OK. Ça veut dire que gè de nèg c'est pour c'est comme ça oui. Gè nèg k'ap pote valise sou do yo. Gè nèg k'ap fè antenne, c'est annulé tout terrain. Gè nèg valise ki nan do lan, c'est cartouche ki la donne seulement, mais gè tout c'est chargé gè la donne. Et après nèg ça marcher côte à côte avec nèg ki gè zam k'ap tire. Ça veut dire ça qui essaie comprendre selon un pile monde cap essaie garder vidéo image côté jeune garçon ça yo qui en dedans Chablendi ça que poste de l'audio après next fin côté fin boucante cousam avec yo et nèg yo rivé tomber et puis yo récupéré cadavre nèg ça yo et yo récupéré zam qui dans main nèg ça yo c'est parce que la police dans mes forces de l'audio yo te en confiance côté OTE hein et yo rivé prend cadavre et yo rivé prend zam jaoudien fusil M4 te nan menèg yo. Yo pa selon ça m'apprendre et selon ça qui m'ont comme information. Yo pa prend cadavre nèg yo pour montrer comme si et y a tout bandi comme si pour comme si non et pas ça li. Yo prend cadavre nèg yo parce que yo estime que nèg sa yo à travers téléphone yo à travers ça ou te gen sou yo et zam qui dans mayo y a capable utile force de l'audio avec ça au cas joindre comme information d'ailleurs n'a regardé à travers une vidéo là
qui quantité et cartouche que la police présentait dans la vidéo ça. Semble moun yo comprendre bien. Comme si parce que pas oublier nous-mêmes nous là pour nous faire éducation moun yo. Je dis hein, moi même toujours dis que moi contre toute forme de criminalité. Parce que criminalité en parle dans moi-même. Moi pour sécurité, pour la paix. Mais est-ce que je dis hein, est-ce que peuple haïtien pour la paix? Est-ce que diaspora haïtienne qui lui-même pas dans pays hein, et cap tant de ça qui a passé en Haïti et qui vient bien Haïti que le perdit? Est-ce que je dis en lui-même tout les pour que sécurité et les pour que la paix en paix? Moi je suis certain si m'tap l'ouvri micro ici en là m'tap joindre en pile en octave dit Blaise oui nous pour la paix. Oui, nous pour sécurité. Mais Kounia, c'est comment qu'une capote coule? Comment une capable de support pas nous? Parce que, et ça quoi, ouais, à moins de reprise que l'autorité a demandé mariage police-population. Parce que, pour qui ça? Population qu'on est, moun yo. M'a dit, c'est tout côté que population fondamentale n'a pas, ça me dit non. Mais il y a des côtés. Population qu'on n'a parce que jeune garçon. Mais Blaise, pas que côté qui gagne gang ou pas jeune, yon et quantité de population qui collabore avec Negyo. Li vini automatique, li pas volontaire, non? En pile fois. Parce que un groupe Neg qui gagne pouvoir de vie et de mort, sous moun n'a pas rapport avec Zam qui yon gagne. Tant que si pas ou apese d'autres gade dans l'Antibonit. Comme une petite rivière de l'Antibonit. Comme il y a un coup qui gagne absence, la police là-dedans aujourd'hui. Gang qui a opéré dans l'espace, c'est lui-même qui remplace la mairie, c'est lui-même qui remplace DGI, c'est lui-même qui remplace la justice, c'est lui-même qui remplace la police. Qui ont pralvlé pour que la population ne pas obtempérer en bas l'ordre que gang ça baille. Je dis, c'est faiblesse l'État qui permet en pile fois dans le quartier côté gang yo révélé tout puissant, bien tout pouvoir sous moun yo. Je dis, l'État dit qu'elle veut restaurer l'autorité. Pour permettre que gang suspend gain pouvoir sous population qui a payé taxes qui jusqu'à présent a payé toutes les qui dans l'état, je pense que c'est ça qui est correct. Je dis en l'état a cherché rattraper moun yo. Je dis en l'état a cherché les jeunes confiance population t'est perdu dans force de l'ordre, quelle était la police, quelle était l'armée, quelle était dans gouvernement. Parce que il fut un temps Blaise où t'as gardé les bandits ont parlé population compte plus vite quoi oui dans sa bandit ont dit oui que autorité oui. Parce que nous t'ai ensemble autorité qui t'ai chita sous promesse. Je dis à tout population besoin changer camp. OK? Changer camp, arrangez pour changer camp. Si vous estimez que la vie vous menacée, dites qu'on sait bagarre qu'on cap fait. C'est quitter zone non. Parce que vous pas épargné parce que non ben là, m'a tout t'ai gagné policier, t'ai gagné militaire qui dans opération qui dit, gagne membre dans population qui a tiré coup de bouteille sur yo. Gagne membre dans population qui d'accord ou bien qui joint exigence pour venir participer. Ou père barbecue depuis le parler, il dit que peuple a arraché mon avec manchette pour lui parce que remel parce que moi même c'était une vidéo côté monsieur Abjouré et David B on artiste monsieur Abjouré David B parce que David B te fait une opinion sous façon monsieur t'a essayé et aborder question et miscadé avec avec Pierre Espérance. C'est ça monsieur Blié, il parti David B. OK, elle dit si David B vini c'est pas même le même cap prendre dans Badelma. C'est peuple qui a cap raché avec manchette. Ça veut dire monsieur gagne confiance et confiance qu'elle gagne c'est parce que monsieur pratiquement hypothéqué la vie moun yo, li pratiquement gagne contrôle moun yo en dedans et jodi a bagala commencer à diminuer. Bagala commencer à sortir l'expédition. Moun yo commencer à prendre confiance quitte l'été Belé, quitte l'été Badelma, quitte l'été Solino, quitte l'été Babetchose, quitte l'été Front National. Population Paris, population a collaboré. Et c'est ça qui permet l'efficacité opération ça. Et population, pratiquement, besoin de continuer. Et l'autre zone, la police pral gagne pour y mener opération. Il y a besoin de prendre comme modèle. Moun Solino, qui jusqu'à présent rentre dans le mariage police-population. Et ou compte qui côté mariage, ça pi bel, nous garantis ou blesse. Mariage police-population, la pi bel dans le département de la Tibonite. Parce que moun yo parle déjà. Et c'est habitude qu'elle y est. Moun yo kon habitué faire mariage. Entre police et population pour déchouquer gang. C'est ça fait que nous, dans le département de la Tibonite, pas qu'à attendre que la direction générale recommande la police, CSPN, arrange pour planifier opération dans le département de la Tibonite.
mariage là a belle en pile belle personne et même Jean ouais nèg a couri et dans Badelma même Jean ouais nèg a couri dans Belè Blaise la Tibonite yo pas ka couri parce que gang ça yo yo pratiquement fait toute zone qui entoure yo mal tout moun yo a vivre dans mal cité et résout problème gang dans département la Tibonite li pas même prend on semaine tant que Jean ouais opération ça a fait tout temps ça Blaise personne nous avons prendre responsabilité pour marcher sur toute gang en dans tout pays et moi c'est ça comme si me devle moun yo comprendre. Parce que, on est là pour faire éducation mondiale. Parce que nous, je dis ça. Et je dis en tout, on est d'accord à admettre que, il y a mon gars dit, il faut que ça c'est seulement Badelma. Et l'autre côté, yo, bon, c'est que nous j'ai plusieurs fois l'intervention pour parler de la police américaine en juge jeune. Monsieur expliqué plusieurs fois la raison qui fait que la police pas casse plusieurs fronts en même temps. Parce que bon, ressources humaines en termes d'effectifs, gros problème tout et en termes de matériel, et qui permet que, et c'est intervenir sur plusieurs côtés en même temps. C'est pas parce que pas de volonté à nous, mais c'est parce que et moyen yo limité pour le moment. C'est moyen yo limité pour le moment. Mais Jean que monsieur te dit là, li espérer que non peut-être qu'a vini yo, y a commencé gagner de moins encore plus que ça et qu'a permettre que yo répondre adéquat avec San Rélé, ça qu'a passé là dans le pays. Mais moi-même pense que je dis, hein, motivation ça, que, qui gagne, je dis, hein, est-ce que vraiment, que les PM gars reconnaissent, dit, l'État dit, bah, Dieu, dépose les armes, reconnaître l'autorité de l'État, et les que l'État dit tout, nous va qu'à faire tout tapement des bandits déposer les armes, et qu'on les cas privés, bah, là-bas, commence à changer phase. Est-ce que m'a dit la désir, depuis mardi 27 d'août, là, c'est exactement ça qu'a fait là. Parce que là, nous sommes capables, ouais, clairement, désir. Gon mobilisation, gon motivation, kembe. Et c'est dans l'optique ça, dans la journée qui était mercredi 4 septembre 2024, l'an désir. Gen CSPN, qui c'est Conseil supérieur police nationale, qui est là dans le premier ministre Gaye Koni, qui à la fois ministre intérieur tout. Qui est la donne ministre justice, non, M. Carlos Hercule. Qui est la donne DG à la police Ramon Amil. Mettez avec de l'autre chaîne commande en de la police, non. Et te gagné un gros commandement force multinationale, non. Qui te réuni, la journée que te mardi, alors mercredi 4 septembre, non. Dans le bureau ministre intérieur, Gary Koni, qui trouve le grand quartier général Chenmas. Après-midi 4 septembre, non. Pour discuter sur plusieurs points qui lié à sécurité et puis intervention force l'audio dans bataille pour déraciner gang dans capitale haïtienne. Ça veut dire monsieur senti vraiment l'aim dit monsieur force l'audio yo senti vraiment que yo sous bonne voie que yo sous bonne route là. Il dit que yo sous bonne voie et bonne route pour que yo capable jouer commencer joindre de résultats. Commencer à joindre des solutions pour aider à résoudre situation insécurité gain là situation misère gain là des jeunes parce que gagner économiste Thomas Lalime qui dit bagaille il dit insécurité ils sont catastrophes et même plus qu'on catastrophe naturelle dans moment et je dis ça il dit les plus qu'on catastrophe naturelle parce que tellement des conséquences il tellement gain impact. Comme si nous pas ta mesurer qui ça insécurité a fait là comme impact sur l'économie en désir venesse. Entre temps désir, laissez-nous venir avec et visite ça que Anthony Blinken a fait, secrétaire d'État américain a fait, jeudi ça et la rencontre autorité haïtienne. Bref, invitez nous tendez et concerne nous Sandra Lemaire qui est même de la Voix d'Amérique. Qui t'a réalisé une interview avec Andy, sous-secrétaire et hémisphère dans les Caraïbes, M. Brian Nichols, côté que M. parlait en détail sous visite et secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Mais dans la visite, ça, il y a abordé questions de sécurité, questions d'élection, et puis il y a gardé tout. Dossier 3, conseiller, Bugéral Gilles, Smith Augustin, Emmanuel Vertilaire, qui n'a aussi cité dans des scandales de corruption. Invitez-nous à entendre ça, et c'est important pour nous entendre.
Qu'est-ce que ça désire? Le responsable replacé du département d'État du VOA, secrétaire d'État Anthony Blinken, pour voyager à Haïti et République dominicaine semaine ça. D'après Brian Nichols, secrétaire d'État adjoint américain pour affaires hémisphère occidental, Blinken va visiter Port-au-Prince 5 septembre pour faire chita attendre avec Premier ministre haïtien Garry Conille et membre conseil présidentiel transition. Le secrétaire va réaffirmer engagement États-Unis prend pour appuyer peuple haïtien et puis j'ai fort pour établir sécurité avec la paix en Haïti. Secrétaire Conille à conseil présidentiel transition va discuter tout sur retour Haïti sous chemin démocratie a besoin urgent pour organiser élection pour peuple haïtien à déterminer propre avenir palais. Nichols dit États-Unis reconnaître que Haïti prend mesure importante pendant mois qui passé yo mais sous nomination au premier ministre avec ministre cabinet li gen si progrès vis-à-vis insécurité a tant coup par exemple ouverture aéroport recommencement vol commercial yo et puis activité économique. Nichols dit mission sécurité Kenya menen ensemble avec la police nationale Haïti a fait progrès tout. Il dit nous constater une augmentation dramatique dans patrouille à opération qui visait rétablir sécurité à conscience normalité en Haïti. Pendant visite en Haïti, secrétaire Blinken va rencontrer chef MSS là avec PNH là pour souligner engagement États-Unis prend vis-à-vis succès. On va discuter tout sous besoin Haïti dans le domaine stabilisation, développement et assistance humanitaire. Nichols Pat répond directement à question journaliste posée par rapport à Bouy Kapouri pour dire comme quoi États-Unis a cherché converti mission MSS là à une force traditionnelle maintient la paix l'ONU. When we had the opportunity to go to Haiti with about quoi là nous t'ai gain opportunité visiter Haïti avec l'ambassadrice de Thomas Greenfield. Le MSS là t'ai commencé déployer et puis faire constat équipement yo gagnent à base yo opération cap augmenté nous té wè progrès vis-à-vis sécuriser Haïti mais nous besoin wè progrès politique engagement à conseil présidentiel transition a. Priorité secrétaire c'est assurer progrès continuer vis-à-vis organisation élection donc par rapport à ça nous gagne une mission qui efficace jam et qui gagne capacité pour atteindre qualité progrès dans le domaine sécurité a que peuple haïtien mérite. Et n'a travaillé à partenaires internationaux pour établir un cadre qui assurer financement nous qu'à faire confiance et puis disposition à ces mouns pour mission. C'est une priorité et une mission maintient la paix officielle. C'est une façon nous t'as capable d'accomplir objectif ça. Mais n'a gardé plusieurs options. Nichols dit département défense là bah plus passé 200 millions de dollars pour construction opération ak logistique dans zone côté base MSS là situé. Nichols dit VOA États-Unis continue à encourager pays étrangers pour y contribuer l'argent dans trust fund MSS là pour courir mission en plus. Journaliste demandé tout si secrétaire Blinken pral soulever question responsable conseil là qui indexé dans rapport corruption ULCCA pendant visite li. Certainly the secretary will raise the dis-moi quoi certainement secrétaire pral soulever importance transparence par rapport à accusation qui gain pouvoir avec dossier BNCA. Nous quoi responsable haïtien yo doit mener enquête sur ça et puis traîner responsable yo devant la justice. Moi su secrétaire pral soulever question ça pendant li en Haïti. Après visite li dans pays d'Haïti, Blinken pral prend avion pour la République dominicaine pour rencontrer président Luis Abinader, ak responsable dominicain yo. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Bon, nous dit peut-être bon me prend ça encore. Bon me faire mon retendre ça avant que des nous venir avec ces commentaires par nous. C'est qui est à peine connecté en retendre dans toute intégralité que interview, alors reportage ça qui concerne Sandra Lemaire de VOA Creole qui l'a réalisé et ce concernant visite secrétaire d'État américain Tony Blinken jeudi 6 septembre là. En attendant, et on va ça après ça on a fait au dernier tourner nous pour nous retourner pour nous faire débat sur ça désir. OK, on vient avec. Ouais.
Un responsable replacé du département d'État du VOA, secrétaire d'État Anthony Blinken, pourra voyager à Haïti avec la République dominicaine semaine ça. D'après Brian Nichols, secrétaire d'État adjoint américain pour les affaires hémisphères occidentales, Blinken va visiter Port-au-Prince 5 septembre pour faire chita attendre avec Premier ministre haïtien Garry Conille et membre conseil présidentiel transition. Le secrétaire va réaffirmer l'engagement des États-Unis plan pour appuyer le peuple haïtien et puis j'ai fort pour établir sécurité et la paix en Haïti. Le secrétaire Conille et le conseil présidentiel transition va discuter tout son retour à Haïti sous chemin démocratie a besoin urgent pour organiser élection pour peuple haïtien qui a déterminé propre avenir palais. Nichols dit, États-Unis reconnaître que Haïti prend mesure importante pendant mois qui passé, yo. Mais sous nomination, yo, premier ministre avec ministre cabinet, li, gainsi progrès vis-à-vis insécurité, a, tant que, par exemple, ouverture aéroport, recommencement vol commercial, yo, et puis activité économique. Nichols dit, mission sécurité Kenya mené, ensemble avec la police nationale Haïti, a fait progrès tout. Il dit nous constater une augmentation dramatique dans patrouille à opération qui visait rétablir sécurité à consens normalité en Haïti. Pendant visible en Haïti, secrétaire Blinken va rencontrer chef MSS là avec PNH là pour souligner engagement États-Unis prend vis-à-vis succès. Nous va discuter tout sous besoin Haïti dans le domaine stabilisation, développement et assistance humanitaire. Nichols pas répond directement question journaliste yoté posée par rapport à Bouy Kapkouri pour dire comme quoi États-Unis a cherché converti mission MSS là à qu'aux forces traditionnelles maintiennent la paix l'ONU. When we had the opportunity to go to Haiti with the ambassador. Et d'une fois, nous avons eu l'opportunité de visiter Haïti avec l'ambassadrice Linda Thomas Greenfield. Le MSS là a commencé à déployer et puis faire constat équipement yo gagné à base opération cap augmenté, nous te ouais progrès vis-à-vis sécuriser Haïti. Mais nous besoin ouais progrès politique, engagement à conseil présidentiel transition. Priorité secrétaire, c'est assurer progrès continuer vis-à-vis organisation élection. Donc, par rapport à ça, nous gagnons une mission qui est efficace, jam, et qui gagne capacité pour atteindre qualité progrès dans le domaine sécurité à que le peuple haïtien mérite. Et n'a travaillé à partenaire international union pour établir un cadre qui assurer financement nous qu'a fait confiance et puis disposition à ces mouns pour mission. C'est une priorité et une mission maintient la paix officielle. C'est une façon nous t'a capable d'accomplir objectif ça. Mais n'a gardé plusieurs options. Nichols dit, département défense là, bail plus passé 200 millions de dollars pour construction, opération, ak logistique dans zone côté base MSS là située. Nichols dit VOA, États-Unis continue à encourager pays étrangers pour y contribuer l'argent dans Trust Fund MSS là pour courir mission en pipelise. Journaliste y demandé tout si secrétaire Blinken pral soulever question responsable conseil là qui indexé dans rapport corruption ULCCA pendant visite li. Certainly the secretary will raise the certainement secrétaire a pas soulevé importance transparence par rapport à accusation qui gain pouvoir avec dossier BNCA. Nous quoi responsable haïtien yo doit mener enquête sur ça et puis traîner responsable yo devant la justice. Moi su secrétaire a pas soulevé question ça pendant l'année en Haïti. Après visite dans le pays d'Haïti, Blinken pral prend avion pour la République dominicaine pour rencontrer président Luis Abinader, avec responsable dominicain. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Désir, ma connais ce qu'on t'y a joué à faire parce que nous allons venir avec un ministre des Affaires étrangères haïtien Dominique Dupuis. Et sur question lui-même, il parlait de Brésil qui voulait envisager de venir d'Haïti en tout, bah Haïti bourrait pas là. Et pour qu'on va venir avec ça, bah qu'on soit fonti à jour, bien on dit et on dit appréciation, bien par contre de ça et sous visite Anthony Blinken là et de ça qui dit bon côté Brian Nichols là. Bon, Blaise, moi crois que en pile fois nous venons là depuis les annonces à faites, n'a analysé une dix fois ça. Et quand comme devini bagala dépassé surtout dans ça qui concernait scandale corruption dans conseil présidentiel transition
que tes trois membres impliqués et soient dans exiger et président conseil d'administration et BNC dans moment avant yo, n'a parlé de Raoul Pascal Pierre lui qui t'a dénoncé ça. Et l'autre bagaille qui dit dans la question qui montait gain quelques avances qui lui fait c'est question et crédit card qui bail et Anthony Blinken pour aller pour questionner ça et pour demander transparence et ouais. Et Brian mettez accent sur ça, Blaise Peterson, pour montrer que vous devez aller à la justice pour les miens faites sous question. Ça veut dire, ce conseil présidentiel est qui censé pas exister encore, Blaise Peterson. Si vous voulez comprendre, pas oublier qu'il y a un conseil qui a 9 membres là-dedans, qui a 7 membres qui ont voté, et 3 membres, ça y est, ils ont pratiquement fait partie de 7 membres qui ont voté. Yeah, non, alors c'est oui, 7 qui a voté et puis gon majorité 5 qui dégage dans mitan encore. Oui oui. Yo pratiquement il y a 3 dans l'ex qui impliqué dans bagarre là. Bon, je dis on va priver comprendre, dans majorité 5 qui a besoin, dans 7 qui gagne droit de vote là, il y a pratiquement 3 là-dedans qui allait dans scandale corruption qui vient rendre que conseil présidentiel là, il trouver dans situation très difficile même pour encore et 3 avril 2024 là. Ça veut dire ensemble décision qui pral vinn prendre là yo, c'est soit tranché, si y a mettre de côté pour chercher vérité, de toute façon conseil là a bien problème quand même. Sous ta mandé, mettez monsieur ça yo en côté pour nous réfléchir, pour nous chercher, pour nous mener enquête. Combien de temps que enquête a pral dire? Enquête sous corruption, li pratiquement gon long parcours, li on long durée. Ça veut dire pays a pral camper, y a obligé retirer monsieur ça yo. Est-ce qu'elle pral faciliter yo choisi trois autres monde pour vinn mettre? Est-ce que c'est même parti politique ça yo, même organisation ça te voyé ensemble trois braqueurs ça autant que si nous croit ça Raoul Pascal te dit est-ce qu'il y a prend trois autres braqueurs parce que bagala gidoa c'est dans ADN parti politique yo, c'est dans ADN organisation que bagala gidoa yo parce que en pile nèg yo k'ap préparé parce que yo dit yo dans ère électorale y a préparé élection y a cherché l'argent de toute manière de toute gens y a exigé pour l'argent sorti de tout côté et me garantir blesse personne et ça après Anthony Blinken fin sorti Haïti, ou cap se si wè, gen de nèg qui te pote tête yon aller dans le conseil présidentiel là, des structures, organisation de partis politiques, malgré ou gen de ministère dans le yo, ou cap se si wè, ke yon envie, invite population à venir là, ou yon encore. On est tant que Moïse Jean-Charles, ou cap se si wè, Timoy, cap mande, et pour population à venir là, parce que ou pral prendre décision qui pral prendre la concerner, petite Dessaline, parce que Emmanuel Ventiler, il fait partie, trois conseillers présidentiels qui pratiquement dans l'obé là. Est-ce que Claude Joseph a capté l'aria par rapport avec un dossier de justice, une question qui vient, est-ce qu'il a capté le fois ça parce que il y a une responsabilité l'État veut prendre là pour tout le monde cap sur terrain dans le pays, quel tenek qui a cravate, quel tenek qui a sapate. Même quoi qu'il va la prendre direction très sérieux et garder. Il y a tout que Anthony Blinken a vu là, il pourra le garder avec mission MSS1 et la police parce que Normile Rameau a participé dans la rencontre là. A bien responsable mission multinationale là, Godfrey Otunge, qui responsable mission au pays Kenya, qui a plat, il pourra discuter et puis, et mettez devant Anthony Blinken, qui pratiquement, c'est, tant qu'on tout en dit, on a parlé ensemble, ou t'as qu'à dire, c'est un petit Biden dans le moment qui a rentré en Haïti. C'est comme si c'est Biden qui débarque en Haïti pour venir prendre doléance. Ok? Pas oublier, nous parler des questions moyens aériennes qui permettent que opération efficace. Quel te hélicoptère de combat, quel te drone tactique qui cap permettre opération yo. Ensemble, ça, sans doute, yo pral sous table là, devant Anthony et Blinken, pour al côté, pratiquement, by et administration américaine, non, Joe Biden, pour yo prendre décision sur ça. Et sous table là, pas oublier que la fin sortie Haïti, faut qu'il aille en République Dominicaine, pas oublier problème qui présentait là. Amnesty International, déjà, ramené République Dominicaine à l'ordre, sous façon qu'il a traité compatriotes haïtiens, sans doute autorité qui pourra le rencontrer avec Anthony Blinken en Haïti, parce que qu'on est le bras de la République Dominicaine, il y a gagné une doléance qui a pas sous question ça. Et problème insécurité, que aussi que les armes qui traversent en République Dominicaine, cartouches qui sortent en République Dominicaine par frontière, pour rentrer là, la situation de Barry Tobdout, que ça a sous table. On va venir avec Dominique Dupuy, qui est même jeune dédié ministre des Affaires étrangères haïtien, qui a accordé une interview avec confrère Nouyo dans Radio Caraïbe, Télévision Caraïbe, qui matin, qui était mercredi et 4 septembre 2024 l'an, et qui parlait sous divers dossiers. On nous permet qu'il est capable de retendre, alors, tendre les et on bon parti dans l'interview parce que il est vraiment long, qu'il n'a pas attendu tout, mais on a attendu l'essentiel de ça, qui dit, bah, côté ministre, Anthony Blinken, alors, ministre, pardon, Dominique Dupuy, qui est ministre des Affaires étrangères et d'Haïti. Et bonjour Caraïbes, bonjour à tout auditeur, auditrice.
On a commencé d'emblée depuis le gouvernement Gary Conille prend pouvoir, donc la presse et les gens considèrent que c'est un ministre qui est actif dans le gouvernement. Et première action pour tes princes, c'était rappeler un pile. Oui, je me tourne avec ça. Et je me tourne avec ça là. Et vraiment. Je me tourne avec ça. Gary a fait premier pion sur la République Dominicaine. Sur la décision de la République Dominicaine, non? On regarde pour nous. Et le diplomate qui était impliqué dans des actes de corruption, résumé en tout cas. Et hier lundi, ULCC l'a publié et transmettre officiellement à la justice. Et c'est un rapport côté demandé pour mettre Action publique en mouvement contre 13 anciens diplomates qui sont pensés dans des décisions comme ça. Alors, juste pour nuancer, rappelle-nous tes lancés, on n'a pas préjugé personne. Donc, et le travail ULCC gain pour le faire son travail que l'a fait de façon autonome indépendante par exemple pas gain aucune communication entre ULCC et MAE pour nous connait qui ça rejoindre qui ça pas joindre nous apprendre ni même gens avec le grand public que tu gain 13 anciens diplomates rappelés qui fait partie de monde qui pas fait déclaration patrimoniaux donc moi même pas gain opinion pour me gain par rapport à travail et yes, enquête ça qui est en cours d'ailleurs parce que ils ont insisté que c'est seulement premier et révélation que yo joine nous connaît que gagne travail là qui a continué gagne documents que mandé nous partager avec yo et donc moi saluer travail ULCC faire et c'est pour ça au cas ouais tout que nous te font injonction pour nous mandé tout et diplomate yo fait déclaration patrimoniale c'est ça la loi mandé yo et ministère là pas là pour le temps pour diplomate là faire erreur et puis pour après yo puni li li là pour essayer encadrer diplomate là au maximum pour éviter justement tomber dans erreur parce que ça qui est important pour comprendre et guerrier son bail comme toujours dit. Tout poste qui a un privilège vient avec responsabilité. Et moi-même, comme ancien chef mission, je me dis que nous jouons en pile privilège. Mais il y a en pile responsabilité qui vient avec poste là. Et il faut toujours dans l'équilibre tous les deux. Ou jouer privilège là, mais ou répondre à la responsabilité, tant par rapport à pays que par rapport à la loi. Alors, le ministre a annoncé plusieurs réformes dans le ministère des Affaires étrangères pendant la discours d'installation. Je dis à qui j'en réforme ça, oui, qui j'en a pas avancé. Bon, c'est n'a bien avancé, nous avons connaître nous avons déposé des instruments juridiques et qui t'a censé adopter bientôt. Nous déjà gagné un premier retour de primature là. Donc c'est un signal que processus là en cours pour que nous quitter des bagages qui pérennes, c'est pas seulement faire une réforme dans action mais son réforme qui carité de façon pérenne et durable pour ministère là demain l'homme parle encore les c'est un nouveau ministre qui a bâti sous lit et créer un cadre légal tout côté diplomatique qui a rejoint tête yo. Pour c'est pas seulement et orientation ministre là qui décide direction ministère là mais que ministère là en lui-même il a une fondation et on base qui permet tout diplomate connaît règle du jeu yo. Donc c'est un peu et là nous me pense que signal là très bien reçu par population hein. Et diplomate yo même c'est sûr que nous non en période tout changement provoque une certaine instabilité mais et ambition hein, et me pense que nous pas de décourager faut nous continuer ambition c'est justement pour que nous et tirer ça qui pas bon, qui met ça qui voulait travailler, qui peut-être caché en bas ça qui a fait ça pas pas ta doué à faire et essayer mettre moun ça yo parce que nous gen de très bons diplomates qui voulaient au service pays yo mais qui peut-être manquer orientation et manquer capacité pour opérer tout. Et concernant plan 50-50, ça veut dire une sorte de égalité garçon femme dans diplomatie hein, au sens où sous bon route là comment ça a marché jusqu'à présent. Alors ça c'est pas une décision que moi-même j'ai pour me défendre. Recherche montre de pour mettre femme dans position de pouvoir de décision processus décisionnel li plus en rapport avec qui ça qui bon pour intérêt commun. Donc là on prend en femme dans diplomatie et pour mettre le chef de mission ou rapprocher au mandat des questions d'État et ou éloigné de questions d'intérêt personnel. Donc c'est pas moi-même qui dis, c'est à travers un paquet de recherches qui fait qui montrait que leadership féminin a une capacité ça. Ça pas veut dire que garçon pas doué dans poste leadership, mais équilibre là, c'est un gagnant-gagnant. C'est-à-dire que ou vinn servi en vision qui sont vision que nous doué défendre qui c'est égalité des genres que premier ministre me défendre de façon très sérieuse et nous elle dans égalité et des genres que lui montrer et dans cabinet que li publié a nouvel dans ministère régalien yo que li proposé deux ministres femmes pour deux ministères régaliens et me pensais que li était normal et c'était bon moment
pour que nous te fait place pour femmes haïtiennes. Et nous avons dit, nous, c'est pas seulement en Haïti que ça a bien reçu. Au niveau international, ça fait un pile bruit de façon positive. Yo surpris, et même au Brésil, parce que nous parlons sur le Brésil sûrement tout à l'heure. Et Brésil, yo dit, mais nous inspirer, nous rencontrer des responsables, Institut Rio Branco, qui c'est l'Académie diplomatique là, yo dit, nous, c'est qu'on y a ou ben nous en bord pour nous suivre, pour que nous arrivions dans l'objectif ça à tout, parce que mesdames, yo, bien placé dans le poste leadership, yo, et me pense que, et jusqu'à présent, il a fait preuve. Alors, dans ce qui a eu avec formation, nous avons annoncé que nous avons un partenariat entre l'Académie Jean-Price Mars et Corpua. Et qu'est-ce que ça passe dans le moment? Son protocole qui parle signé jeudi, nous très contents parce que le protocole ça parle permettre de nous faire un paquet de bagailles. Premièrement, il va renforcer l'Académie et il va permettre de nous créer des mécanismes d'entrée dans l'Académie qui sont décentralisés, qui sont équitables, qui permet tout le monde gon chance égale. Ou pas obligé Port-au-Prince m'était annoncé le m'était fait entrevue en un métropole que c'est un bagage que nous t'ai voulu faire. On y a m'ka annoncé que le bral fait dès aujourd'hui, li bral est officialisé côté que concours yo bral organisé par Corpua à travers tout 10 départements yo et bourse que nous recevons yo côté que c'est ministère là qui gain pouvoir discrétionnaire sur qui est qui bénéficie bourse yo, ben nous bral déléguer et on partit autorité ça pour que nous décidions ensemble avec Corpua parce que ça qui est important pour nous comprendre c'est pas seulement que nous dit Corpua mes responsabilités à mes ballons hein, c'est que académie vient faire partie à part entière de Corpua donc c'est une décision qui vient à faire collégialement et c'est ça qui est important ça veut dire il pas mettez sous côté dans parler de l'académie du tout au contraire il vient et peut-être que c'est ça que nous devons articuler mieux partenariat avec Corpua cap signé jodi a son un partenariat de fait. Parce que Corpua répond nous à sollicitation pour que nous rejoignions, ils répondent nous que désormais nous membres à part entière. Qu'on y a un protocole là pour seulement définir des mécanismes de partenariat avec Corpua, notamment concours et puis et gestion boursière et aussi tout et ça me très content de l'annoncer comme Monocap et diffusion cours que l'Académie a bâillé notamment un master. Qui est accessible dans l'université publique, et c'est l'université publique du Nord qui prend la première université qui prend le gain capacité pour lire et diffuser pour ça. Donc, ça veut dire qu'un étudiant ou étudiante qui est dans le Nord n'est pas obligé de déplacer. Exactement. C'est ça? Exactement. Et nous-mêmes, une femme dit nous, une femme salue M. Corpua, parce que, particulièrement le président, qui présentait nous semaine dernière, en vision très moderne de ça, vous voulez faire un partenariat avec l'Académie Jean-Price Mars là, et notamment des cours à distance avec des professeurs qui sont dans la diaspora, qui a fait des échanges d'expérience, des anciens diplomates, des sommités. Yo vraiment gué en vision moderne de mettre à disposition des ressources pour étudiants yo et permettre yo rentrer dans l'air du temps. Alors, lundi 5 août 2024, là, dans nos ministères Affaires étrangères, on a soumis 5 ou 6 instruments juridiques qui ont rapport avec réforme diplomatie haïtienne, qui t'a été adopté dans le Conseil ministériel. Comment ça a marché? J'en dis, nous déjà recevoir des commentaires préliminaires de primaturlan, de services juridiques primaturlan, et nous allons l'accommoder. Il y a des remarques, bien entendu, très pertinentes. Et une fois que nous finissons avec ça, nous espérons aussitôt que la semaine prochaine, nous allons proposer texte pour adoption. Dernier déplacement, vous êtes dans le pays Brésil, vous êtes en tête d'une délégation comme ministre des Affaires étrangères. Et quel est l'objectif principal et voyage ça? Et puis, qu'est-ce que vous venez avec pour Haïti? Alors, voyage là, tu as un pile objectif. Mais il faut me dire, nous, je ne pense pas qu'en Haïti, nous obligés de faire le cas que le Brésil est un pays qui est important dans la région. Hein. Et aujourd'hui, nous avons dit, c'est un pays qui est extrêmement important dans le monde, qui voit et nous tous connaissons le leadership président Lula. Et l'été important, si nous regardons les feuilles de route et le gouvernement qui publie, l'été important pour que nous regalvanisions le soutien en faveur d'Haïti. Il y a un désengagement que nous constatons, et son désengagement que parfois, il est qualifié de Haïti fatigue, parce que dit Haïti toujours en crise. Pays yo di que investi na Haïti ou pa pou sa investi et puis yo bay vague. Fòk nan même contexte là, ou gen environ 60 conflits dans le monde, 60 situations kap sollicité attention communauté internationale. Et parmi lesquelles nous connaissons yon ki pi important c'est en Ukraine qui prend toute attention surtout et l'Europe ou gen et situation au Proche-Orient ou gen au Moyen-Orient, excuse-moi, ou gen situation et qui nan pays africain
et là où est Soudan par exemple et qui mandé en pile attention de communauté internationale là Haïti on ti jan invisibilisé blié OK il était important pour que nous aller à la rencontre de pays dans région que nous senti qui t'a aider nous dans plaidoyer que n'a fait surtout à la veille de assemblée générale là pour que nous arriver avec une position harmonieuse de cohésion de solidarité régionale pour que nous mandé corré effort que gouvernement a fait en Haïti pour que nous couper insécurité à grand goût et question sanitaire là donc c'était il pas même des questions que Brésil t'est doué premier mission que m'était allé là-dedans pour que nous mobiliser pour que nous al coûter tout qui ça yo ka fait avec nous qui partenariat nous ka dégager mais qui ça nous-même nous ka fait qui puis bien tout pour que comprendre besoin population et haïtienne et m'ka dit nous que m'extrêmement satisfait de mission ça hein? Extrêmement satisfait de rencontre que m'fait yo et ça nous déjà connaît qui déjà public d'ailleurs le Brésil communiqué sous lit c'est que coopération va renforcer de façon considérable parce que ça qui est important pour nous songer c'est pas seulement sous plan sécuritaire là pour nous avancer une fois pour côté faut nous avancer sur tout plan à la fois donc là où gain problème sécuritaire là faut tout on va adresser problème crise humanitaire que pays a traversé dans tout département yo parce que nous connaît que nous gon seuil grand goût on seuil de la faim que n'a pas atteint à un niveau sans précédent nous connaît que nous gain des facilités que nous pas gain au niveau de capacité pour nous répondre à crise sanitaire nous tout centre hospitalier qui inopérant qu'on y a à cause de crise sécuritaire là faut nous gagner des partenaires qui aider l'état renforcer présence li au fur et à mesure que n'avance sous plan sécuritaire là parce que yon pas ka fait sans l'autre et premier ministre l'a dit tout le temps stratégie en pas que nous tonne que sécurité en régler pour après nous dire oh oh et pas nous gain tel problème et pas nous gain tel problème on avance sous tel problème nous obligé faire en même temps donc là regarder toute série rendez-vous que me t'ai prend yo c'était des rendez-vous pour relancer en coopération dans plusieurs secteurs qui ca permettre l'état renforcer pour prendre responsabilité dans tout pays pas seulement dans zone métropolitaine non qu'il y a des projets que me tourner avec qui concernaient l'Antibonite qui concernaient le département du Nord qui ca permettre l'état renforcer au fur et à mesure que n'a fait des avancées dans domaine sécurité là. Organisation élection, c'est en tout cas mission fondamentale pour un gouvernement de transition, gouvernement Sako Ladalan. Moi, pour nous avons rencontré avec le président tribunal suprême électoral brésilien, qui collaboration nous a espéré pour soutenir le processus électoral-là, pas bon ici. C'est une priorité absolue et réunion, ça a été extrêmement intéressant. Et moi, rencontré avec le président là et ça, moi, ouais, c'est que j'ai une soif d'aider Haïti sous question électorale là. Li promet nous en visite côté que li Kavin veut rencontrer des acteurs parce que c'est un monde qui était là en 2010 après tremblement de terre là, qui était là en 2016 et après avant dernière élection yo et qui fait des promesses ou prend des engagements pour un accompagnement très important guerrier. Le Brésil journée jodi a c'est un modèle en termes d'élection et surtout au niveau numérique. Li montre nous application côté brésilien qu'a utilisé pour voter pour connaître résultat vote dans 6 heures de temps avec 160 millions d'électeurs. Désir, parce que n'a quitté reste pour l'autre émission parce qu'il a amené la fin de la guerre mais ça l'a dit vraiment ministre des Affaires étrangères Dominique Dupuy qui lui-même était pas dans le pays hein, et qui t'a rencontré autorité brésilien yo, il discuté avec yo, quand il m'a dit comment Québec qui discuter, comment Québec qui dit. En tout cas, était bon nous pour nous garder désir. Merci mon frère. On compte gagner qui choix qui pote pour la caille moi. Bon, autant des bagailles, on dit que projet là pour la Tibonite en tout cas. Était bon nous pour nous garder. Merci tout le monde, rendez-vous cassé pour mi-temps journée en émission parler pour changement. N'a pas des amis, continuez like, partager, qui t'en commentaire ici n'a pas tomber sur média ça yo, mais ça nouvelle blaise, il faut prendre nouvelle votre calbas, il faut racine nouvelle Haïti. Abonnez avec nous et activez cloche notification pour pas jamais rater rien dans émission yo.